Mais ouais, Ben mais voilà. ouais. Ah, le vide, clairement, c'est pas mon... punaise! Allez, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine, on te ramène dans les Alpes. Et donc, on est sur le retour de notre road trip. Les Balkans, c'est fini. La Roumanie, c'est fini. La Bosnie, c'est fini. L'ordinateur, c'est fini. Si tu nous suis sur Instagram, on a des petits problèmes d'ordinateur. Et on attend beau papa et belle maman. T'as vu, regarde. Merci. On va faire goûter les trucs de Roumanie maintenant. Qu'on n'a pas réussi à boire jusqu'à maintenant. Au moins, on arrive à le passer un peu. Tiens, veux, Émilie? C'est un jus de myrtille. C'est le piège. Légèrement fort. Pas les cas. Je sais pas comment il disait. Si. La mancha, non? C'est pas ça qu'il disait, je crois. Tiens, la santé. Il fait des pieds. Ouais. Ça passe. Il y a un petit goût derrière. On va peut-être rester là ce soir. Ah ouais. C'est bon. Tu sens la myrtille là. Hein. Et les voilà. Et coucou. Vas-y, vas-y, vas-y. Première nuit, tête en bas ou pas? Allez, préparation du bivouac de ce soir pour le feu. Et alors, le petit plus, c'est qu'il y a Nani qui joue avec les enfants. Tout là-bas. Je pense qu'on va être pas trop mal. Là-bas, l'apéro se prépare. Attends, on va donner ça à Nani. Qu'elle perde pas le moral. On garde le rythme avec les enfants. Attends, chin. Pas de réflexe dans cette famille. Hein. À la tienne, hein? À la tienne, merci. Hein. Pour la deuxième? On va encore entrer à l'envers ici. Là, c'est joué, c'est joué. Et voilà. On retrouve les bases. On va mettre trois courgettes avec. Les troisième round, la cachaça. Elle est votre. On a plein de voisins aujourd'hui. Chef Mathis, tu nous prépares quoi là? Des courgettes? Là, tu les fais comme ça? Allez, si tu veux, c'est toi qui choisis. Faut un peu de verdure quand même avec tout ça. Elle donne beaucoup envie cette côte de bœuf. Commence à ressembler à quelque chose tout ça là. On est bon avec les herbes. Un peu de légumes quand même, hein. Et à table. Allez. Eh ben bon app. Bon appétit. Pour le chien. Hop, on t'a vu. C'était bon? C'était très bon. Délicieux. Toi aussi, papa, c'était bon? C'était très bon. Et bonjour. Et bonjour. Et on charge le bois pour ce soir. Donc lui, il faut toujours du bois. Si on arrive dans un endroit où il n'y a pas d'arbres, on sera bien. Allez, on repart et on enregistre la trace. Et tu pourras la trouver où? Tu pourras la trouver sur Instagram, il y a tous les liens. On a eu plein de voisins sympas, franchement c'était trop cool. Des Toulonnais, des Marseillais, plein d'apéros. Parti pour la piste. On est sur le col del Fenestre. De la fenêtre quoi. De la Sieta, c'est ouvert tous les mercredis et les samedis de juillet, août, de 9h à 17h pour la petite info. Et donc en fait, j'ai l'impression qu'ici, il n'y a que nous qui avons compris le panneau, tous les vélos, ils nous disent c'est interdit, ils veulent se garder la piste pour eux, et là, ils restent en plein milieu. Alors que c'est assez clair, c'est exactement comme Jaffro et Séguré, c'est autorisé au vélo et c'est autorisé aux voitures le mercredi et le samedi. De toute façon, lui, je crois qu'il aime bien le bruit du 4x4. Donc si tu es vélo, eh bien, tu peux très bien être tout seul si tu y vas le dimanche. Comme ça, t'es peinard et pas de 4x4. Le vide, clairement, c'est pas mon truc.
On s'arrête là. C'est trop bon. Allez, on essaie de se mettre droit. Pas du tout. Il est trop gros, mon caillou. Mon caillou petit, celui-là. Deuxième essai. Il y en a un qui est bien. Allez, un saut. On n'est pas trop mal, quand même. Ça valide ou pas? Ça valide. Là, on a changé d'ambiance, quand même. Tu sens que... On a le chauffage artisanal. Et on est à 2300 mètres d'altitude. On va avoir froid ce soir. Tu dis quoi toi? Oui. Tu sais ce qu'on va manger? La fondue. Sors, c'est la fondue. Ça va être bon ça? On va voir. À mon avis, ça va être bon quand même. On peut peut-être le mettre dans son assiette. Et ouais, c'est ce qu'on va faire. Tu veux une soupe? Moi, on aura derrière. Sexy. Allez, bonne nuit. Sexy ou fresh. Bonne nuit. On a déjà fait la cueillette des myrtilles. Maintenant, c'est la cueillette de... Genièvre. Montre-nous à quoi ça ressemble. Le problème avec cette cueillette, c'est qu'on se dit que quand on s'arrête, et puis à chaque fois, on pense à la daube, à la choucroute, au truc, et on va se régaler encore. Même tu mets un peu dans l'alcool, là, comme vous savez faire. Ben voilà, même la mère, elle nous dit qu'il faut mettre ça dans l'alcool. Ouais. Alors aujourd'hui, on va dans la vallée d'Argentera. Apparemment, c'est une des plus jolies vallées, donc on va aller voir. Par contre, il faut payer 5 euros. Et Schumacher a repris le volant, t'endors pas. Hein. Ah, ça y est, il y a moins de monde là. On arrive dans la forêt, ça monte et tout. On a besoin de mettre la courte. On a besoin de mettre la courte. Et là, il n'y a plus tout le monde. On se retrouve un peu tout seul. On va peut-être croiser 2, 3, 4, 4. C'était quoi, tuto pilotage? Alors, quand tu as peur, bah, t'accélères. Comme ça, tu sautes plus loin. Technique Schumacher. Hey, un bel endroit pour faire du pique-nique là, non? C'est parfait. Si tu veux un autre conseil, prends les grands-parents. C'est quoi pour midi là? Alors, petite salade avec les gros haricots comme ça de Roumanie, de l'avocat, du chèvre, de la tomate et des petits poivrons ou petites oignons. On va se régaler. Pas de jaloux. C'est salade herbivore aujourd'hui. On va couper du saucisson quand même. Du Saint-Nectaire, du camembert. Du beurre. Du beurre. Bon après ce petit pique-nique, entre herbivore avec un peu de saucisson, on repart sur les pistes de l'Argentera là. Bah, c'est et c'est pas mal, hein. Magnifique même. C'est vraiment très très beau. Hein. Regarde, on envoie le drone. C'est panique chez Michael Schumacher là. Vas-y tranquille, les coups de gaz. Donc c'était le tuto de tout à l'heure. Quand c'est stressant, on met gaz à fond. Deuxième tuto, mettre la musique à fond pour pas entendre tous les bruits bizarres. Et comme on bivouac dans des endroits où il n'y a pas d'arbres, faut être prévoyant. Mission bois. On a trouvé du bois ou pas? Tu trouves du petit bois, poulette? Voilà, on va être pas mal là. Et là, on est pas mal. Et là aussi. Le spot du soir. Prépare le feu. Préparation des restes de loup. Parfait, champion. Oui. Ils ont l'air bon tes champignons là? Oui. Et là, il y a du thon en préparation. Ouais, ça a l'air bien cuit. Hein. Ouais, ça fait panisse un peu.
C'est bien beau toute cette cuisine, mais... Ça donne soif. La maréto. Bravo. Tine. Les petites aubergines. Vous dites tout le temps petites. Ben, on dit ce qu'on veut, hein. Maman, ça. Petit tartare de thon. Petit. Eh ben moi je trouve qu'on est très très bien là. Ouais. Voilà. Et j'ai passé encore une fois une bonne journée. Une bonne petite journée, tu peux dire. Une grande journée, super. Voilà. Je suis très très contente d'être là. Et bonjour. Bonjour. Au revoir, joli spot. Et aujourd'hui, on va faire pas mal de pistes là, normalement, on va pas mal avancer. Direction le Mont Viso. On va tester la nouvelle technique. De lessive. Nouvelle machine à laver, hop. Est-ce que ça va laver le linge? Et ça, on va accrocher là. Et après, on remue. On va regarder notre machine à laver. Changement de l'eau. Lavage. Allez, deuxième remplissage. Moi aussi, je la fais la lessive, du coup. Dernier rinçage. Eh ben, ça sent bon. Pour une fois que c'est Benoît qui fait le linge, hein, enfin, ça va peut-être devenir une habitude. Je t'explique un truc, Benoît, si tu veux. J'ai une méthode infaillible. Je crois que je la connais. Faut merder un truc à un moment et puis pas comprendre. Un truc, on vous dira l'info plus tard. Tu vois, pas tes affaires à toi. Allez, on continue la piste, direction une grosse balade au Mont Viso. Se dégager parce que le Viso il est caché aujourd'hui. On le voit, il est là-bas. Bon, alors du coup on va où? Au Mont Viso. Voilà. Tiens-toi bien, hein, Mathilde. Quoi qu'il se passe, tu lâches pas la corde. On va passer sous la cascade. Hein? Allez, champion! Tu te tiens, Mathilde, hein? Tu fais coucou, on y va? Allez! Oh là là! Oh là la cascade! Ça te plaît? Allez, à la semaine prochaine. Ah, on est pas trop mal. Avec des glaçons. Ils ont dit c'est qu'en cas de neige que c'est interdit, mais ça va? Ouais.